Bon, on est parti. Salut Lingen, alors aujourd'hui j'ai le plaisir de te recevoir dans cette interview. Ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît. On avait fait une première interview il y a de ça quelques années et l'idée c'était de refaire une nouvelle interview justement pour parler de tes évolutions. Pour démarrer, question entre guillemets assez classique, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et surtout dire un petit peu, j'aime beaucoup savoir ça, pour qui réellement tu travailles, enfin, ce que tu fais et pour qui tu le fais. Super. Merci de m'inviter à nouveau. Donc, moi, ce que je fais depuis 8 ans, c'est que j'accompagne des entrepreneurs individuels à se lancer sur le web. Okay? Moi-même, je me suis lancé il y a 8 ans après un master en économie internationale où je découvre le blogging et très naïvement, je me dis que je vais vivre la semaine de 4 heures, je vais créer des blogs et je vais être riche et libre. Et j'ai compris que ce n'était pas si simple. Donc, au début, j'ai créé plusieurs blogs sur les produits Apple, sur les nouvelles technologies, un blog de développement personnel pour les hommes. Et puis, petit à petit, j'ai vraiment découvert une grande passion pour WordPress, pour le blogging. Et je voulais aider les gens à développer leur passion, à communiquer leur passion et à en faire un business. Donc, j'ai commencé à installer des sites pour des gens, à gagner de l'argent en affiliation. Je vivais à l'époque avec mon père, du coup, il fallait que je gagne de l'argent depuis chez moi parce qu'il était assez âgé, donc je ne pouvais pas avoir un job, ce qui était un inconvénient, un problème parce que je venais d'être diplômé, mais en même temps une opportunité parce que je pense que je ne me serais jamais lancé en tant qu'entrepreneur. Ah, peut-être pas jamais, mais ça aurait été très compliqué pour moi de me lancer parce que je pensais que ce n'était pas pour moi, j'y pensais même pas, quoi. Et du coup, au décès de mon père, financièrement, je m'en sortais, mais c'était quand même très fragile. Je me suis dit, bah, tant qu'à faire, il y a un CDI en fait qui m'a vraiment intéressé dans une ONG, et je me suis dit, c'est ma passion, ça correspond à mes valeurs, ça m'a apporté aussi une stabilité financière, donc j'y suis allé. C'était compliqué. Alors, le job, c'était super, mais en fait, le soir et le week-end, je continuais à bosser sur mon business. J'ai presque fait un mini burn-out tellement c'était fatigant parce que l'entrepreneuriat, c'était vraiment quelque chose qui était fait pour moi. Du coup, à un moment donné, j'ai dit stop, j'ai arrêté, je ne gagnais pas non plus énormément, donc je voyais que j'évoluais pas. Et l'avantage pour moi, c'est que je n'avais pas de prison dorée. La prison, elle était argentée, quoi. C'était bien, mais ce n'était pas doré. Du coup, j'ai eu le courage de quitter. J'ai eu la chance de les garder en client. Donc, on a fait du community management ensemble. On a arrêté. Puis, j'ai eu plusieurs clients comme un cabinet d'expertise comptable en ligne, Yann Darwin qui est dans l'immobilier. Donc, actuellement, ce que je fais, c'est freelance pour les entreprises, plutôt les TPE, PME. Okay, donc, ça peut être communication digitale, community management, ça peut être de la formation aussi. Et de l'autre côté, j'aide les entrepreneurs individuels, les particuliers à lancer un business et à lancer un business autour de leur passion et comment le faire en créant du contenu. Et entre les deux, je donne des cours aussi dans une école. Donc, tout ça, je fais ça sous la forme de formation en présentiel, formation en ligne. J'ai eu l'opportunité de publier un livre aussi, Le guide du blogueur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Top, ça fait un beau condensé, ça fait pas mal de choses pour le coup. Et ce que je trouve hyper intéressant, très franchement, je n'avais pas du tout prévu cette question-là, le fait que tu aies connu une période freelance, que tu aies décidé de reprendre une activité de salarié pour ensuite te relancer à 200% en tant que freelance, c'est quelque chose qui me parle, on en a parlé juste avant. Est-ce que tu peux me parler un petit peu nous parler un petit peu des avantages et inconvénients à avoir fait ça? Tu as dit que ça avait été dur, que tu as un peu frôlé le burn-out. Et pour autant, mine de rien, tu as repris un job de salarié qui correspondait à tes valeurs. Et je pense que très clairement, enfin, moi, je suis le premier à ne pas jeter la pierre au salariat non plus, justement, si tu trouves une entreprise qui correspond à tes valeurs, je trouve ça chouette. Et dire justement ce que ça t'a apporté pour te relancer derrière en tant que freelance à 200% et avoir le succès que tu as maintenant. Alors, je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est comme dans le foot, si tu veux. Tu as des Lionel Messi, tu as des Mbappé, tu as des Cristiano Ronaldo qui, très jeunes, sont très forts, ils cartonnent. Ok, tu as l'impression que tout est facile pour eux. Ils bossent beaucoup, mais il y a un talent inné. Et je suis d'accord que je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est le cas. Moi, j'estime pas faire partie de ces gens-là qui, voilà, tu as l'impression qu'ils ont quand même un ADN d'entrepreneur et ils sont très bons. Et du coup, pour tous les gens normaux, les entrepreneurs normaux,
qui représente 98%, hein, on va dire, des entrepreneurs, eh ben, en fait, ce qu'on sous-estime, c'est le temps d'apprentissage, le temps de stage. Moi, je m'estime même encore aujourd'hui en stage. Je suis un entrepreneur en stage, je suis stagiaire. Faut pas que je pense tout connaître, c'est extrêmement dangereux. Faut pas que je me croie arriver, ça c'est aussi très dangereux. Et puis la réalité, c'est que pour beaucoup d'entrepreneurs, on n'a pas fait 5 ans d'études en entrepreneuriat, on n'a pas travaillé dans la boutique de ses parents pendant 10 ans. On est assez jeune, on débute et il faut avoir l'humilité de comprendre que l'entrepreneuriat, c'est énormément d'avantages, mais c'est extrêmement difficile aussi. Et donc, il y a tout un temps d'apprentissage, okay? Que ce soit en comptabilité, en marketing, en création de contenu, en commercial. Moi, je n'ai jamais été formé à ça. Et du coup, tout le temps que les gens prennent à avoir des gens au téléphone, il n'y a personne qui m'a formé à avoir des prospects au téléphone, il n'y a personne qui m'a formé aux publicités Facebook, il n'y a personne qui m'a formé au SEO. Donc, tout ce temps-là que dans un cursus classique, on a qui est d'aller à l'école, d'avoir des profs, des camarades, et ben, quand on est autodidacte, c'est plus long. Mais par contre, on peut, grâce à Internet, se former aussi plus intensément parce qu'on a du contenu qu'on n'a pas à l'école. À l'époque, c'est voilà, regarde ce bouquin et puis c'est tout. Et donc, tout ça pour dire une chose, c'est que si vous êtes au début et que vous galérez, bah, c'est normal. Okay? Pour être médecin, il faut faire 7 ans d'études. Pour être entrepreneur, à mon avis, ce n'est pas plus facile que d'être médecin. Donc, il faut accepter que ce soit long. Maintenant, ceci étant dit, le fait de savoir que c'est long, ce qu'il faut faire, c'est que bah, tous les jours, il faut avoir de la trésorerie. Parce que si on apprend sans argent, bah, on va arrêter à un moment donné parce qu'il va nous manquer d'argent. Et donc, ça peut être très bien, on peut être salarié, comme ça a été mon cas. Et moi, je recommande beaucoup d'être en freelance. Souvent, on parle d'échanger du temps contre de l'argent. C'est très bien, je ne vois pas le mal à échanger son temps contre de l'argent. Okay? Parce que tu es au début et tu es en train d'apprendre et tu es en train d'investir dans toi-même. Donc moi, j'ai décidé d'être salarié pour apporter un peu de stabilité à mes finances et c'était important pour moi. Et aussi, ben, en même temps, je savais qu'il fallait que je développe mon business. Donc je faisais ça le soir et le week-end. Donc pour ceux qui sont salariés, ne vous dites pas que c'est impossible. Moi, j'étais aux États-Unis récemment. Les gens, ils ont 2 jobs, quoi. Okay? Donc voilà, ça répond un peu à ta question ou pas? Ouais, complètement. Enfin, je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, c'est pas le. Et t'es vraiment le symbole avec ton parcours, c'est que c'est pas le résultat finalement qui t'a intéressé, c'est vraiment le chemin pour le coup, le chemin par lequel tu es en train de passer en tant qu'entrepreneur. Et parce que je me permets, hein, j'aurais pu emprunter des raccourcis aussi, très franchement. J'aurais pu faire des partenariats que j'aurais regrettés par la suite. Faire vendre du rêve, ça marche très bien de vendre du rêve. Vous débarquez, vous vendez du rêve, il faut être un minimum compétent, vous pouvez être millionnaire en 2-3 ans. Mais moi, j'ai décidé de ne pas prendre ces raccourcis parce que le soir, quand je dors, j'aime bien bien dormir et être fier de moi. Et puis parce que voilà, on a le temps, on n'est pas pressé. Okay? Mieux vaut construire son entreprise sur des bonnes bases pour pouvoir vraiment durer. Okay? Parce que comme tu dis, il y a des entrepreneurs qui étaient là, qui faisaient beaucoup de bruit, mais soit ils ont disparu, soit ils se collent une mauvaise réputation. On peut changer. Hein? Moi, je ne citerai pas de nom, mais je vois des gens qui avaient une mauvaise réputation et qui se sont un peu repentis dans leur parcours. Et c'est très bien et je suis très content pour eux. Mais voilà, moi, le business, ça passe pas avant mes valeurs humaines, avant ma personne. Et ceci étant dit, il ne faut pas être naïf, il faut quand même gagner de l'argent. Et moi, j'ai eu un problème aussi avec ça. Donc, à la fois, il faut viser long terme et à la fois, il faut assurer le court terme. Est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu des challenges que tu as rencontrés sur ces dernières années? Tu dis par exemple que tu as eu, entre guillemets, je me souviens à cette période où tout le monde lançait ses lancements orchestrés, plusieurs personnes justement, tu étais, on va dire, au même niveau que certains web marketeurs qui eux se sont envolés avec des lancements orchestrés. Toi, tu avais pris le pli de ne pas le faire. Je pense très franchement que tu parles de ça quand tu as peut-être refusé le partenariat ou pas fait des partenariats. Ça a dû faire partie des challenges. Est-ce qu'il y en a d'autres challenges comme ça que tu as connus dans ton parcours, que tu as envie de partager?
Ouais. Moi, j'ai eu un gros souci, c'était par rapport à l'argent. Pour moi, voilà, j'ai eu une éducation chrétienne, je suis chrétien, voilà, ma foi, c'est la chose la plus importante dans ma vie, mais j'ai une mauvaise analyse. Il y a, par exemple, un passage dans la Bible qui dit que l'amour de l'argent, est mère de tous les vices, ou voilà, je paraphrase un peu. Et en fait, au lieu de comprendre l'amour de l'argent, moi, je comprenais l'argent est mère de tous les vices. Et en fait, en analysant, je voyais qu'aussi à la maison, mes parents se disputaient beaucoup à cause de l'argent, par manque d'argent. Et j'ai créé une relation très mauvaise par rapport à l'argent. Et paradoxalement, c'est quand j'ai travaillé dans l'ONG que j'ai compris que l'argent pouvait être une très bonne chose. C'est une ONG qui faisait 5 millions, qui récoltait 5 millions d'euros par an. Et en fait, je peux te dire que quand on faisait des campagnes de crowdfunding et que des gens donnaient 1 000 euros, on était là, merci. Merci, mec, d'avoir un bon boulot ou un bon business qui génère bien de l'argent et qui nous permet de pouvoir soutenir des projets dans des pays où c'est la galère. Et c'est là que je me suis dit, mais mince, en fait, l'argent, ça peut être une très bonne chose. D'où j'ai sorti ce truc que c'était mauvais. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, et ça a mis 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est là que ça a commencé à décoller. Et donc, moi, j'invite vraiment les gens à remettre en question leurs croyances passé. Ça peut être la croyance contraire. Pour réussir dans la vie, il faut être riche, il faut être célèbre, il faut être populaire. Est-ce vraiment le cas? Qu'est-ce qui, dans votre passé, vous a fait croire ça? Donc, il y a le livre de Millionaire Mindset. Non, de Millionaire Mindset. Attends, mince, de Harv. Je te donnerai ça. Il faut que je le trouve parce que je l'ai sur le portable. Là, je l'écoute. Je viens juste de l'écouter. Donc, dans ce livre, en fait, The Secrets of the Millionaire Mind, okay? Secrets of the Millionaire Mind. Et en fait, le gars, il dit qu'en fait, nos croyances et nos émotions déterminent nos actions. C'est-à-dire que si tu crois que gagner de l'argent, c'est mal, et que émotionnellement, tu as un problème parce que dans le passé, il y a eu un problème avec l'argent, ben, ça va déterminer tes actions. Oh, mais si je gagne 2 000 euros par mois, c'est bien. Parce que si je gagne plus, je vais devenir une mauvaise personne. Et ça, tant que tu ne te défais pas de mauvaises croyances, parce qu'il y a des bonnes croyances, eh ben, ça va déterminer tes actions. Et donc, si aujourd'hui, il y a un aspect dans votre vie où vous n'êtes pas satisfait, votre santé, votre vie sentimentale, votre business, analysez et essayez d'aller à la source. Si vous n'êtes pas bon en marketing, peut-être que vous avez un problème avec le marketing. Vous avez cette fausse conception qu'on manipule les gens. Okay? Si vous avez un problème avec l'administratif, c'est peut-être parce que vous avez cette impression à l'école, voilà, vous n'aimez pas faire les papiers et vous croyez que faire de l'administratif, c'est forcément ennuyeux, alors que ça peut vous faire votre comptabilité, ça peut vous aider à optimiser vos finances, votre fiscalité, à gagner plus d'argent. Donc, moi, ça a été l'argent, voilà. Pour répondre à ta question, ma relation avec l'argent a tout changé. Et pour tout dire, maintenant, j'ai comme objectif de gagner 10 000 euros par mois. Et récemment, je me suis dit, mais Lingen, un jour, tu feras plus d'1 million de CA par an. Pourquoi pas, en fait? Pourquoi je ne pourrais pas gagner plus d'1 million? Pourquoi ce serait que pour les autres? Et une dernière chose sur ce point, il y a quelqu'un qui disait un jour qu'en fait, quoi, plusieurs personnes qui disent que l'argent est un multiplicateur de qui tu es. Si tu pars dans la vie avec des bonnes valeurs, genre t'es, par exemple, tu es généreux, bah, si tu gagnes beaucoup d'argent, tu vas pouvoir être plus généreux encore parce que tu auras les moyens de le faire. Si tu es un gros radin dans la vie alors que tu es pauvre, bah, le jour où tu seras riche, tu seras un gros, gros radin. Si tu es quelqu'un qui a pas d'éthique dans la vie et que tu deviens riche, tu seras vraiment une crapule. Si tu es quelqu'un qui attache de l'importance à tes employés, le jour où tu auras 100 000 employés, tu prendras encore plus soin d'eux. Et ça aussi, ça m'a fait réfléchir et c'est ça aussi qui a cassé en fait cette croyance avec l'argent. Donc maintenant, dans mon marketing, tu le verras, je suis beaucoup plus agressif et confiant parce que je sais la valeur que j'apporte et je sais que c'est pas mal de gagner de l'argent. Et au contraire, quand ton produit est bon et que tu gagnes de l'argent, ça veut dire que tu as aidé beaucoup de personnes. Et ça, c'est important pour moi. Avant, je pensais, OK, je ne fais pas de lancement orchestré, je ne fais pas de l'affiliation, en partie parce que je trouvais que ce n'était pas éthique ce qu'ils faisaient.
les autres, mais en grande partie, j'avais une mauvaise conception qui était que, bah ouais, si je gagne de l'argent, eux, ils perdent de l'argent. Sauf que si mon produit, il est bon, plus il y a de gens qui vont l'acheter, mieux ce sera. Si le Doliprane, c'est une bonne chose et que ça calme les douleurs, bah, plus il y a de gens qui l'achètent, mieux c'est, ok, avec les limites que ça implique, parce que bon, si on peut se passer le médicament, tant mieux. Je trouve ça hyper intéressant le fait que je te demande ton principal challenge, finalement, directement, tu es parlé des croyances, en fait. J'ai un ami entrepreneur qui explique justement et qui vient aussi de nombreux séminaires de développement personnel, etc., que la pyramide d'un entrepreneur, finalement, les stratégies marketing, les outils, c'est tout en haut de la pyramide, c'est tout le petit truc, en fait. Et que ton socle, c'est vraiment la vision et la croyance. Et c'est top que tu aies eu cette transparence, en fait, de le partager et aussi de t'en être rendu compte, en fait, toi-même, que ton business ne pouvait pas évoluer si tu ne faisais pas évoluer derrière tes croyances, pour le coup, parce que c'est la base fondamentale, finalement, de ta pyramide. Ouais, et j'aurais tellement aimé qu'on me le dise plus tôt, quoi. Parce que moi, quand j'ai débuté il y a 8 ans, quand tu suivais les blogueurs et tout, ils te parlaient de comment générer du trafic, accroître ta liste d'emails, et puis on parlait très peu du mindset, de l'état d'esprit. Et voilà, c'est ce que tu dis. Je pense que voilà, ton ami a raison. Et finalement, quoi, apprendre Facebook, si on veut se former sur Facebook, on peut le faire avec toi, on peut faire appel à un prestataire. Tout ça, c'est plutôt simple. Mais ce qui est compliqué, c'est vraiment notre état d'esprit et vraiment détruire ça. Et ça, c'est vrai pour tout. Hein. Voilà. S'il y en a qui ont 50 ans, qui sont célibataires et qui sont frustrés, c'est parce que c'est dans la tête. Ce n'est pas parce qu'ils sont gros, moches ou qui n'ont pas un bon job. Ça, c'est des excuses. C'est ce qu'il y a dans la tête qui va définir ton comportement. Et souvent, ce qui va transparaître, c'est ta confiance en soi. Quelqu'un qui a confiance en soi, bah, rarement, tu vas voir quelqu'un qui a confiance en soi et qui ne réussit pas dans la vie. Sauf si c'est quelqu'un de prétentieux qui se la pète. Mais quelqu'un qui a vraiment confiance en soi, il réussit dans la vie. Mais comment tu fais pour avoir confiance en toi? Bah, c'est parce que tu as bien géré tes croyances au départ. Et qu'est-ce qui fait, à ton avis, enfin, tu disais, ça fait 8 ans, mine de rien, que tu t'es lancé. Qu'est-ce qui fait que tu es toujours là, finalement? Tu es toujours, même si ton business a évolué, tu es basé par une époque de salariat complètement assumé. Qu'est-ce qui fait que depuis ces 8 ans, il y en a pas mal, on ne va pas ressortir des stats, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ferment leurs portes, etc. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es toujours là depuis 8 ans finalement? Moi, je vais être honnête avec toi, pas plus tard que l'année dernière, je cherchais un job. Ok, tu le sais, hein, on en a parlé, avant d'avoir ce contrat avec Yann. Parce que financièrement, ce n'était pas top. Mais d'une part, c'est pas, pour moi, ce n'est pas du tout un échec d'avoir un moment où tu travailles, okay, où tu gagnes l'argent, tu ramènes l'argent, ça te donne des libertés. Encore plus si tu travailles dans un truc où tu apprends auprès de quelqu'un. Moi, par exemple, en freelance avec Yann Darwin, j'ai énormément appris. Tu vois, dans 10 ans, je me dirais, mais j'aurais presque payé pour travailler avec ce client. Okay, donc, d'une part, fermer sa boutique ou mettre en pause et travailler, c'est pas du tout un échec parce qu'encore une fois, on est en stage. C'est, si tu veux évaluer la réussite de quelqu'un, ce sera à 80 ans ou à 90 ans. Parce que même un Mark Zuckerberg, si dans 20 ans, il pète un câble et en fait, il a vendu des données et il est très insatisfait, est-ce qu'il aura vraiment réussi? Non, c'est un peu ce que tu as réussi à la fin de ta vie qui détermine si tu as vraiment réussi. Donc ça, moi, j'avais compris ça. Alors, c'est jamais cool de dire, voilà, je suis salarié. Forcément, les gens, ils comprennent que tu n'as pas gagné assez d'argent. Mais encore une fois, tu es sur le long terme. Donc, ce n'est pas grave. Donc, j'ai eu la chance de ne pas être salarié et de continuer à faire ce que je fais. Et maintenant, qu'est-ce qui fait que je suis si endurant? C'est parce que je suis complètement passionné par ce que je fais. Aujourd'hui, je suis passionné par ce que je fais et surtout, j'ai su créer un business en prenant en compte mes aspirations dans la vie. En fait, quand j'y réfléchis, moi, quand j'étais petit, j'avais 20 000 métiers que je voulais faire. Je voulais faire de la radio, d'être prof, par exemple, d'écrire, d'être auteur. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je fais des podcasts audio. Donc, ça ressemble à la radio. J'ai pu publier un livre. C'est une satisfaction énorme. J'aurais tellement aimé que mes parents soient encore là pour le voir. J'enseigne, je donne des cours. OK, jamais j'aurais cru donner des cours dans l'enseignement supérieur à des jeunes qui ont 3, 4, 5 ans de moins que moi. Et en fait, j'ai su construire un business où je me suis écouté.
Je voulais pas juste gagner de l'argent. Et en fait, en faisant un business où je suis passionné, je deviens meilleur parce que tu apprends plus, tu apprends mieux. Quand tu aimes ce que tu fais, bah, le soir, le week-end, dans les toilettes, dans les transports, tu lis, tu te formes, tu écoutes tout le temps. Tu te formes, tu deviens meilleur et tu es plus enthousiaste. Et quand tu es plus enthousiaste, tu attires les gens. Moi, la plupart des gens qui viennent, rarement quelqu'un vient me dire « Oh, tes conseils sont vraiment top, c'est un truc que j'ai jamais entendu ailleurs. » Voilà, les conseils, c'est presque toujours les mêmes. Par contre, ce que les gens me disent quand ils me font des compliments, c'est « Merci parce que tu es encourageant, tu es inspirant, tu me motives. » Et en fait, c'est naturel parce que je fais quelque chose qui me passionne. Et comme j'ai su m'écouter, je sais ce que je veux dans la vie, je sais pourquoi je le fais, eh ben je me bats. Et quelquefois, c'est difficile. Quelquefois, il n'y a pas assez d'argent qui rentre. Quelquefois, je dois bosser le soir et le week-end. Mais c'est ce que je dis récemment, mieux vaut vivre une vie où c'est toi qui choisis tes propres difficultés qu'une vie où de toute façon, tu vas subir les difficultés que d'autres t'imposent. Moi non plus, je ne suis pas en train de dire que l'entrepreneuriat, c'est mieux que le salariat. Mais souvent, quand tu es salarié et que tu galères parce que tes managers sont énervants ou tes collègues sont énervants ou tu fais tout le temps la même chose depuis 5 ans et tu ne t'épanouis pas, bah, la vie, elle est difficile. Je suis désolé. C'est difficile tous les matins de te lever, de prendre les transports et ne pas aimer ce que tu fais. C'est galère. Et moi, je préfère galérer dans quelque chose que j'ai choisi. Et en plus, ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que tu investis constamment, non seulement dans ton business, mais en toi-même. Et ça, pour moi, c'est intéressant parce que, en fait, plus ton entreprise se développe avec des bonnes valeurs, sinon ça ne marche pas, plus en fait toi-même tu deviens une meilleure personne. Moi, je suis capable de dire aujourd'hui, Lingen, à 32 ans, bientôt 33, non 33, bientôt 34, non 32, bientôt 33, je suis une meilleure personne aujourd'hui que si j'avais été salarié. Pourquoi ? Parce que tous les jours, je me forme, j'écoute des podcasts, je lis des livres, je m'analyse. Quand je fais des erreurs, des échecs, je me remets en question. Quand j'ai des problèmes avec des clients, je me remets en question. J'essaye de résoudre. Et cette richesse de réflexion, de remise en question et quand même de trouver l'énergie d'aller de l'avant, bah, ça fait de moi une meilleure personne. Et bah, voilà, si j'ai toujours la santé, je peux te dire que je n'ai pas besoin d'être une superstar. Mais je pense qu'à 50 ans, 60 ans, si j'arrive à rester avec mes valeurs et à travailler, bah, je serai quelqu'un de très accompli et qui aura réussi. Il y a un fait qui m'a marqué dans ce que tu dis. Enfin, déjà, on sent vraiment que cette passion, elle vibre quand on parle et c'est génial justement que tu partages ça et que tu le fasses ressentir. C'est le fait que tu dises que tous les conseils finalement que tu donnes, c'est des conseils qu'on peut retrouver sur Internet maintenant et tu n'as rien inventé et les conseils marketing, on les retrouve un peu partout. Et je dois dire plus ou moins la même chose vu qu'on est sur la même thématique, mais que c'est derrière, c'est l'énergie que tu dégages, c'est la personne que tu es. Et je pense que c'est un conseil qui est hyper important et que du coup, tu transposes bien. C'est le fait que pour une personne qui pourrait avoir le soi-disant syndrome de l'imposteur ou se dire bah, « ce que je vais dire, tout le monde l'a déjà dit pour le coup ». Et moi, très franchement, pendant un moment, je suis passé par là. Pourquoi je ferais une vidéo de plus pour traiter ce sujet-là alors qu'il a déjà été traité ? Mais en fait, derrière, c'est plus ton énergie, ta personnalité, qui tu es en fait derrière, qui va faire que les gens vont s'intéresser à toi. C'est ça. Moi, ce que je dis aux débutants que j'accompagne hein, dans la formation, je leur dis, si vous avez un enfant qui a des problèmes de maths, vous préférez que le prix Nobel de mathématiques vienne lui donner des cours particuliers ou un jeune étudiant super passionné, enthousiaste, pédagogue, qui a le sourire, qui a de l'empathie et qui vient aider votre enfant? Bah, moi, je préfère largement. Alors oui, tu prends le prof prix Nobel, tu viens pour faire un selfie, c'est cool. Mais au quotidien, tu préfères le gars qui a de la compassion, qui a de l'attention, qui a vraiment envie d'aider et qui n'est pas forcément expert. Et quand il ne sait pas, il va même dire « je ne sais pas, la semaine prochaine, je reviens avec une bonne réponse ». Donc, si vous êtes débutant, voilà. Hier, je donnais un atelier. Encore une fois, les gens croient que tout a toujours été dit dans les livres, les vidéos YouTube. Moi, je vous invite tout de suite à aller sur YouTube. Si vous pensez que tout a été dit, tapez une recherche. Comment créer un blog ? Comment faire des jus de légumes ? Comment maigrir en 30 jours ? Regardez les 10 premiers résultats et dites-moi si vous êtes satisfait des 10 premiers résultats. Je peux vous dire que tout n'a pas été dit. Il y a toujours une manière de dire les choses qui sera meilleure. On est encore à la préhistoire de l'entrepreneuriat web.
Tout le monde a sa place aujourd'hui. Dans 30 ans, quand toutes les grosses boîtes auront publié des vidéos tous les jours sur YouTube, aujourd'hui, tu tapes, je faisais ça avec un participant hier, on tapait « lieu à visiter à Rome ». Bah, tu te dis « non, mais il y a plein de gens qui ont parlé de ça ». Bah ouais, mais tu regardes vraiment les résultats, tu verras, il y a 2-3 vidéos qui passent bien en revue cette question-là. Mais sinon, c'est des vlogs, c'est des trucs pas construits, c'est des trucs pas structurés. Donc aujourd'hui, même si tu fais un blog aussi connu que sur comment voyager en Italie, tu auras ta place. Par contre, dans 10 ans, 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras Lonely Planet, tu auras Yelp, tu auras Google, tout le monde va créer des vidéos. Et ces boîtes-là ont vraiment beaucoup d'argent et ils vont vraiment occuper de la place. Donc aujourd'hui, il y a encore une opportunité. Ceci étant dit, pour ceux qui regardent cette interview en 2040, bah même quand il y aura les géants qui vont débarquer et qui vont inonder le web de contenu, les gens, ils seront quand même à la recherche du lien, du regard dans les yeux, du storytelling, de la pédagogie. Parce qu'au final, on n'a pas envie de s'attacher à une marque, à un logo, on a envie de s'attacher à des gens. Okay? Par exemple, Apple, c'était tellement connecté avec Steve Jobs. Vous voyez, on n'a pas envie de s'attacher à une entreprise qui gagne des milliards. Ce n'est pas intéressant. On a envie de s'attacher à des gens. Et donc, pour tous ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, lancez-vous. Et une dernière chose, peut-être, s'il y en a que vous admirez et que vous trouvez excellent, allez voir leur première vidéo. Vous allez sur leur chaîne, vous faites classer par vidéo du plus ancien au plus récent et allez voir leur première vidéo qui est publiée il y a 7 ans, si elles étaient aussi bien que ça. Donc vous, vous êtes débutant, placez-vous en tant que débutant mais passionné et vous avez la chance qu'il y a plein de gens qui ont créé du contenu avant vous. Vous pouvez faire du benchmarking, observer ce qu'ils font, observer ce que font les Américains et progresser encore plus vite. C'est top, ça fait déjà pas mal de conseils pour quelqu'un qui se lance et ça me fait une transition parfaite. Je voulais justement savoir si tu as quelqu'un qui se lance là en 2018. Tu disais qu'il y avait encore beaucoup de place, mine de rien, là à l'heure actuelle pour des web entrepreneurs qui se lancent. Si tu avais, je ne sais pas, 2-3 conseils vraiment de ton expérience, le fait que tu as tiré de ton expérience, les 2-3 choses que tu ferais dès maintenant et que tu n'avais peut-être pas fait justement quand tu t'es lancé. Avec tes 8 ans d'expérience, quelles sont les 2-3 choses vraiment que tu conseillerais à quelqu'un qui se lance à faire en premier? Imaginez que tous les jours, il y a un banquier dans votre bureau ou dans votre chambre ou dans votre salon. C'est-à-dire que le banquier, il voudra que vous ayez de l'argent sur le compte. Donc, je ne sais pas comment vous vous débrouillez, mais il faut qu'à la fin du mois, tous les mois, vous ayez de l'argent. Donc, n'empruntez pas des solutions illégales. Hein. Comme moi, par exemple, par moment, je n'ai pas déclaré mes cotisations parce que j'étais en galère. Donc, ça… Pour moi, faites du freelance. Ça, c'est excellent pour gagner de l'expérience et pour avoir du cash et pour pouvoir nourrir votre business. Okay? Gary Vaynerchuk, il dit « cash is oxygen ». D'accord ? Sans argent, vous n'avez pas d'oxygène et votre meilleur projet, au bout de 3 mois, vous allez devoir l'arrêter et travailler au McDo parce qu'il faut bien payer le loyer. Vous n'allez pas être un entrepreneur web SDF, ce serait un peu compliqué. D'accord ? Donc, pensez à l'argent. Ceci étant dit, voilà, fixez-vous un objectif, vous ne mettez pas non plus trop la pression, acceptez que ça croît au fil du temps, mais voilà, s'il faut que vous ayez un job à mi-temps ou même à plein temps pour pouvoir nourrir votre passion, faites-le. Donc vraiment faites attention à l'argent, moi ça a été un gros problème dans ma vie. Deuxième chose, c'est aller chercher des collaborations. Okay? Ça c'est extrêmement important. Il y a des gens aujourd'hui sur le web qui peuvent débarquer avec une petite expertise. S'ils trouvent tout de suite des bons experts avec qui ils peuvent gagner de la visibilité, littéralement, hein, tu peux être millionnaire en un an si tu as les bons contacts. Si tu as les bons contacts. Tu imagines, la vie fait que tu rentres en contact avec Xavier Niel. Tu lui soumets une idée. Lui, il parle un peu de tes idées à d'autres personnes et puis tout de suite, ton projet, il est financé. Okay. Ça peut aller très vite si on a les bonnes collaborations. Ça, c'est vraiment important. Donc, évidemment, commencez tranquillement, petit à petit, contactez des petits, faites
faites des interviews, mettez en valeur les gens, allez à des réseaux, des rencontres et faites la connaissance des gens. Ça, il y a un ça truc va. Juste, ouais, je me permets de te couper justement sur le contacter des gens parce que je suis passé par là pour le coup. Et vraiment foncer même sur des personnes peut-être. Il est bon, comme tu dis, de se faire la main, de démarrer par des petits, mais ne tardez pas trop à aller contacter des personnes que vous considérez comme gros leaders de votre marché, etc. Enfin, pour vraiment l'avoir expérimenté, je l'expérimente de plus en plus. N'oubliez pas que c'est des personnes qui sont humaines comme vous et des fois, ils sont loin de l'image ou ils sont peut-être tout simplement très semblables à l'image qu'ils dégagent. Ils sont très humains, etc. Et vont être très ouverts à vos propositions. Et ne pas se faire de fausses idées finalement. Des fois, tu peux te dire, ah, le gars, il a 2 millions d'abonnés sur YouTube. Jamais un mec comme moi, il voudra me répondre ou quoi que ce soit. Alors que c'est vraiment du bullshit au final dans sa tête. Parce que des fois, c'est des personnes qui vont kiffer parce que tu disais tout à l'heure, qui vont kiffer ton énergie, ta personnalité, qui vont se dire, bah ouais, en fait, j'ai vraiment envie de bosser avec lui, même si c'est un jeune. J'ai envie de l'aider, j'ai envie, je sais qu'il peut m'apporter quelque chose pour le moment. Tu peux en parler ou c'est confidentiel? Non, je ne vais, vais pas citer de nom de personne, mais je veux dire, de plus en plus, je fais de la prospection sur des, comment dire, des gros poissons, on va dire. Et je me suis rendu compte que j'ai eu un bon taux de succès là-dessus. Et au fond de moi, je l'ai fait parce que j'ai un coach qui m'a bien bougé le cul là-dessus aussi. Mais derrière, au fond de moi, j'avais vraiment cette croyance que ben non, pourquoi il me ferait confiance à moi à ce niveau-là. Et finalement, tu es agréablement surpris quand tu es passionné par ce que tu fais, quand tu es passionné par ce que tu fais et par qui t'es en fait, parce qu'il kiffe ton énergie aussi derrière. Donc, c'est hyper important. Super. Je suis d'accord avec toi. Et puis, peut-être un troisième conseil rapide, c'est formez-vous à être un entrepreneur. Ça, c'est la première chose. Se former sur le trafic, le blogging comme moi je fais, le marketing, le networking, c'est bien. Mais si vous arrivez à vous former en tant qu'entrepreneur, à réfléchir comme un entrepreneur, tout le reste va découler. Okay, c'est comme un domino. C'est le premier domino de réfléchir comme un entrepreneur. Parce que si vous arrivez à réfléchir comme un entrepreneur, c'est-à-dire il faut que je gagne cette somme d'argent, il faut que je sois un peu plus stratégique, il faut que je sois plus courageux, il faut que j'ose plus. Voilà. Si vous avez tout cet état d'esprit, eh ben, automatiquement, vous avez un problème pour vous former, vous allez aller voir des gens, vous allez aller vous former. Ça, c'est facile. Ce qui est difficile vraiment, c'est de réfléchir comme un entrepreneur. Donc, lisez des livres sur l'entrepreneuriat, regardez des vidéos YouTube sur l'entrepreneuriat, écoutez des livres audio, des podcasts sur l'entrepreneuriat et tout le reste, c'est technique. D'accord? Tu vois, tout à l'heure, ce que tu disais, voilà, c'est ça, c'est l'iceberg, quoi. L'état d'esprit, le mindset, c'est vraiment la base. Une fois que vous avez ça, c'est bon. Pour rendre l'exemple concret, si tu veux, c'est comme un parent qui vient d'avoir un enfant. Est-ce qu'il faut qu'il apprenne à changer des couches et à faire des biberons? Bien sûr. Mais si la première chose qu'il apprend, c'est de se dire, OK, je suis papa maintenant, j'ai des responsabilités, mon enfant, il dépend de moi, il faut que je sois un bon père, il faut que je dégage du temps dans ma vie, que je le priorise. Eh bien, si le père ou la mère se met ça en tête, tout le reste va découler. Okay, changer une couche, voilà, ça s'apprend. Okay, faire un biberon, ça s'apprend. Voilà. Sortir la poussette, c'est facile tout ça. La première chose à savoir, c'est je suis un père, il faut que je sois responsable comme un père. Qu'est-ce qu'un père doit faire? Et tout le reste, c'est technique. Donc, voilà, pensez à vous former en tant qu'entrepreneur parce que vous êtes entrepreneur et ne vous dites pas parce que je suis petit, je n'ai pas encore gagné d'argent, je suis juste au début, je ne suis pas un entrepreneur. Non, vous êtes un entrepreneur en stage, si ça peut vous rassurer, mais vous êtes un entrepreneur. À partir du moment où vous lancez un projet, une idée entrepreneuriale, vous êtes entrepreneur. Tant pis si vous êtes pauvre et fauché et que vous débutez. Voilà. Mais c'est, ouais, c'est hyper important ce que tu dis sur le côté investir sur soi finalement, qui va être le meilleur investissement de se former et de continuer à se former. Et très souvent, des fois, même quand on est rendu à un certain stade, on peut oublier un petit peu entre guillemets de se dire c'est bon, je suis rendu à ce stade-là et oublier de se former. Alors en fait, on va se former toute sa vie. Et même les plus grands entrepreneurs continuent à se former. Pour le coup. C'est bon. Pour continuer sur cette question sur l'investissement, c'est une question entre guillemets que j'ai piquée à Tim Ferriss dans son dernier livre qu'il a posé à une cinquantaine d'entrepreneurs. C'est quoi le meilleur investissement que tu as fait toi dans ces 6 derniers mois pour ton business? Ça peut être une formation, comme on l'a dit, comme ça peut être un outil, quelque chose qui t'a fait gagner en efficacité, en organisation. Bah pour le coup, c'est une réponse facile parce que je suis allé aux États-Unis en septembre à une conférence qui s'appelle Free the Dream.
Et c'est vraiment un investissement, hein. Ça m'a coûté en tout et pour tout entre 1500 et 2000 euros à un moment où voilà, c'était pas facile non plus de les sortir. Mais je suis allé, j'ai passé 2 jours et demi là-bas, quoi. La conférence a duré 2 jours et demi. Et en fait, les speakers, c'était des millionnaires, des gens qui avaient des valeurs humaines qui étaient proches des miennes. Et d'être dans un cadre inspirant, de faire des rencontres. J'ai même eu des prospects là-bas, alors que je me suis dit, bah, je suis français, qu'est-ce que je vais faire avec un Américain? Eh ben, ça m'a en fait montré concrètement qu'on pouvait nous aussi devenir millionnaire ou réussir dans la vie, être un entrepreneur à succès. Parce que la personne, c'est un être humain, c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé, certes, mais si cette personne l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Donc, de m'inspirer de ces gens-là, de passer du temps, de serrer la main, de faire des selfies et juste de les regarder, bah, ça vous inspire. De la même manière qu'un enfant. Vous voyez, je parlais de ça avec un participant. Mbappé, apparemment, c'est un fan de Cristiano Ronaldo. Eh ben, c'est plus facile d'être un meilleur joueur de foot quand tu admires des joueurs de foot. C'est difficile de dire, vas-y, je vais être meilleur, mais en même temps, je m'inspire de personne. C'est très, très important d'avoir des modèles, des leaders d'influence, des mentors virtuels qu'on suit, qu'on admire pour pouvoir suivre leurs traces. C'est très important. Et en le faisant, vous allez aussi amener des gens derrière vous qui vont vous suivre. Donc, moi, ça a été le meilleur investissement pour moi. C'était mon premier voyage aux États-Unis. J'ai découvert que tout était possible, vraiment, ils sont comme ça et j'ai vu beaucoup de choses de ce type. Par contre, c'est beaucoup de travail, hein. Il n'y a pas de le American Dream, ça ne se fait pas en un claquement de doigts et en travaillant 1 heure par jour. Mais en tout cas, ça m'a permis de me dire, tout est possible, il n'y a pas de limite. Si eux, ils peuvent le faire, je peux le faire. Par contre, il faut que je bosse et que je bosse beaucoup. Top, super. C'est important. Enfin, je trouve ça hyper important justement que tu termines là-dessus sur ce côté. Ça va pas se faire comme ça et l'American Dream, c'est peut-être justement un rêve et que derrière, il y a énormément de boulot derrière. Est-ce que justement pour terminer, tu peux nous partager ton dernier gros projet? Tu me parlais juste avant qu'on démarre l'interview là, du lancement de ta dernière formation. Nous parler un petit peu, enfin, si tu le souhaites, hein, de ce lancement de formation et quels sont tes projets, tes objectifs pour les mois prochains, les années à venir? Ok. Moi, alors que je suis dans le milieu depuis longtemps, j'ai toujours eu un petit souci avec les formations en ligne, en partie pour des fausses croyances, et en partie parce que je ne trouvais pas la formule idéale. Moi, ce que je veux, c'est faire une formation que moi-même, j'achèterais. Et en fait, cette idée de vendre des formations 500 euros et 1000 euros, où on ne sait pas si les gens suivent la formation, ça m'a toujours gêné. Donc, du coup, j'ai trouvé une formule, j'ai lancé ça en bêta en juillet. S'appelle Partir de rien. Et donc, en fait, c'est une formation phygitale. Il y a des vidéos de formation, ça c'est assez classique, mais j'envoie aussi un classeur avec chaque semaine une enveloppe à ouvrir. Et on ouvre, et j'ai fait ça avec la formation marque personnelle. Et on ouvre cette enveloppe, et puis chaque semaine, on a des exercices à faire avec la vidéo. Donc, déjà, il y a le côté papier, l'enveloppe, elle est là, on a envie de l'utiliser. Et puis, c'est limité dans le temps. C'est une formation qui dure 4-5 semaines. Donc, moi, je dis aux gens, je suis disponible 6 jours sur 7. Je réponds sous 24 heures. Par contre, ça va durer que 4 semaines. Okay? Donc, profitez-en. Il y a des coachings en groupe, des sessions où on est 5-6 et je les coach. Et donc, là, par exemple, la dernière session, il y a 3 groupes et je les coach comme ça pour les aider à progresser. Ben, si vous ne venez pas aux 4 sessions, après, il n'y a plus rien. D'accord? Donc, je vous invite vraiment à venir. Donc, j'envoie des emails tous les jours. Je mets une citation inspirante dans le groupe Facebook pour animer et pour leur dire, et c'était ma promesse, 1 heure par jour et vous allez pouvoir lancer un projet entrepreneur à la fin. Par contre, il faut être régulier et il faut être à fond. Et ça vous prend qu'un mois. Donc, faites un effort. C'est juste un mois. Et ça a vraiment convaincu les gens de se dire, OK, c'est un petit effort. Mais c'est limité dans le temps, donc il faut que je sois régulier à fond et émotionnellement à fond pendant un mois. Et moi, ma promesse, ce n'est pas de gagner 1000 euros par mois au bout d'un mois, c'est d'avoir lancé un projet et d'avoir un produit à vendre. Donc ma promesse, elle est suffisamment petite aussi pour que je l'atteigne. Et en même temps, c'est un boulot énorme parce que la formation s'appelle Partir de rien. Il y a des gens qui arrivent avec zéro idée et qui repartent avec un projet
souvent, quoi, les derniers m'ont dit, voilà, j'ai gagné confiance, maintenant j'ai mon truc, j'ai lancé mon blog. Donc ça a été vraiment une super formation. D'un point de vue business, pour vous dire, pour les entrepreneurs qui sont intéressés, donc c'est une formation à 500 euros. Donc autant, c'est moins cher que des formations à 1000 euros, 2000 euros que vous pouvez voir, mais en même temps, c'est intense pendant un mois. Donc, on gagne moins d'argent. Mais en même temps, c'est une implication d'un mois. Moi, je ne pourrais pas faire, par exemple, une formation. Il y en a qui le font. Hein. C'est une formation à 2000 euros et je fais du coaching tous les mois ou toutes les semaines pendant de manière illimitée jusqu'à la fin de votre vie. Donc, ça, j'ai du mal. Donc, si moi, mon but, là, j'ai eu 14 élèves, mais mon but, c'est de faire ça 4 fois par an. Et en plus, côté lancement, bah, c'est bien parce que ça crée une urgence. Là, le lancement, c'est maintenant. Ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas quand vous voulez. C'est maintenant, vous nous rejoignez maintenant ou c'est trop tard. Et donc, mon business model, c'est de faire 20 clients, 20 élèves à 500 euros. Ça me fait 10 000 euros. Si je fais ça 4 fois dans l'année, ça me fait 40 000 euros. Et à côté, j'ai d'autres formations. Je fais du freelance, je donne des cours, je fais du coaching. Et puis, voilà, j'espère pouvoir atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires. 2019, 2020, et là, la prochaine formation que je vais lancer, et j'ai vraiment pris goût à ça, juste pour que les gens comprennent pas, que s'il y a des gens qui sont pas au courant, l'intérêt de la formation en ligne, c'est qu'une fois que c'est fait, il y a toujours des petites mises à jour à faire du support client, mais le contenu est là. C'est que là, par exemple, je peux faire cette interview et mes élèves, ils regardent mes vidéos. Et donc, j'ai pas besoin de passer du temps avec eux. Je suis pas besoin de les avoir dans une salle. Et pour eux, c'est aussi important parce qu'ils n'ont pas besoin de prendre de billets de train, billets d'avion, d'hôtel. Ils peuvent suivre une formation de qualité à distance et pas payer, voilà, 200 euros pour venir et 500 euros la journée. Donc voilà, juste ça, c'était pour que les gens comprennent l'intérêt de la formation en ligne. Et là, la prochaine formation, bah, par mon observation, par le fait que j'étais client de super formation et parce que j'ai réussi à faire ce que j'ai fait. Donc là, je vais annoncer un webinaire avec une formation pour justement enseigner aux gens à comment créer une formation. Parce que là, encore une fois, c'est une opportunité énorme. Les chiffres du e-learning, c'est des centaines de milliards de dollars. Okay? À l'échelle mondiale, c'est des chiffres énormes. Et donc, bah, il y a des gens, c'est pas simple de lancer une formation et il y a des gens qui veulent le faire. Donc, je vais former des gens à se lancer là-dessus. Et puis, donc ça, c'est le prochain focus. Et puis, prochainement, voilà, j'aimerais beaucoup réécrire un livre. Mais ça, je vais peut-être attendre un an ou deux encore. Top, on aura l'occasion de refaire une interview à ce moment-là, d'ici un an ou deux, pour la sortie de ce nouveau livre. Avec Merci plaisir. à toi en tout cas, Lien, c'était top. Merci d'avoir partagé les résultats là, de ton lancement en toute transparence. On mettra les liens en dessous de l'interview pour les futurs lancements. Et en tout cas, merci à toi pour cette interview, merci pour ton authenticité et puis on se dit à très bientôt. Avec grand plaisir, Benjamin. Ciao. Ciao.